Sophie Marceau, radieuse en robe bustier, elle est accueillie comme une reine en Chine. Invitée au Festival du film international à Beijing, Sophie Marceau a fait sensation en défilant sur le tapis rouge vêtue d'une sublime robe moulante. L'actrice de 52 ans a d'ailleurs de nouveau été accueillie comme une véritable star en Chine. À 52 ans, Sophie Marceau profite encore et toujours de la notoriété du film La Boum sorti en 1980. Si le fameux long métrage est culte en France, c'est également un grand classique en Chine. Ainsi, les citoyens chinois continuent de voir aujourd'hui Sophie Marceau comme un véritable monument vivant. Véritable star dans le pays, Sophie Marceau, qui est consciente que les Chinois aiment bien sa tronche comme elle le dit elle-même, a donc été choisie par le géant automobile PSA pour être leur égérie dans le pays. L'actrice apparaît donc dans les publicités télévisées et les affiches dans les rues pour promouvoir la DS Renault. Grâce à sa notoriété fulgurante, Sophie Marceau réussit toujours et ce, depuis des années, à présenter un de ses films durant le Festival du film de Beijing, alors que l'on sait que le quota de films français est très limité. Cette année, elle n'a donc pas dérogé à la règle et s'est rendue à Pékin pour participer au fameux festival et présenter le film Madame Mi, une voisine si parfaite. Pour l'occasion, la blonde de 52 ans a fait sensation dans une sublime robe moulante noire à bustier argenté sur le rebord et fente incendiaire. Radieuse, elle a complété sa tenue par des sandales à talons noirs et un imposant collier scintillant avec pierre émeraude. Vivement acclamée pour la foule, elle n'a pas hésité à prendre des photos avec quelques fans chanceuses avant de prendre la pose face aux photographes avec élégance.